Eh bien, bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, français et français, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas très très bien, hein, je dois vous l'avouer. Ici, comme le prouve ce pansement, je suis pas en excellente forme, malheureusement. J'ai eu un fight aujourd'hui assez catastrophique, ça s'est pas très très bien fini. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo du jour. Hein, voilà, vous allez comprendre, hein, je vais vous expliquer. Ce matin, je me baladais, enfin je faisais mon petit footing, mon petit jogging quotidien, voilà, le matin quand je me réveille à 6h. Et comme d'habitude, donc une petite cinquantaine de kilomètres, je fais le tour de Paris. Je courais comme ça, je trottinais pour rester en forme tout l'été, c'est très important d'avoir fait du sport. Et là, comme ça, je trottine, etc. J'étais passé devant une banque vers Boulevard Voltaire, une caisse d'épargne, il me semble, et j'entends le bruit de femmes en détresse. Ce matin, hein, ça s'est passé ce matin, hein, c'est vraie histoire. J'entends le bruit de femmes en détresse, donc moi évidemment je me dis, toujours là, prêt à aider la veuve et l'orphelin, je me dis je vais aller, peut-être, voilà, peut-être que quelqu'un lui vole son argent ou quoi, je vais aller essayer d'aider. Donc là je rentre dans la banque, et là qu'est-ce que je vois? Des braqueurs avec des armes comme ça qui sont en mode les mains en l'air, personne ne bouge, etc. Ah, ça me fait encore un petit peu mal. Et là, ni une ni deux, mesdames et messieurs, vous me connaissez, je me dis, enfin la musculation, ces biceps d'Apollon évidemment vont servir à quelque chose. Je vais aller essayer d'intervenir directement avant que les forces de l'ordre arrivent. Je cours, je vois donc qu'ils sont en train de braquer directement les banquiers. Je cours, paf, balayette sur le premier, balayette éclair, le mec il tombe par terre. Il y a tous ses potes qui me sautent dessus, je commence à me prendre des patates à gauche, à droite. Et là je vois une famille, une vieille dame avec quelques petits enfants. Vous connaissez, voilà, vous me connaissez, moi je peux pas les laisser comme ça. Je vois les enfants paniquer, etc., qui veulent pas voir trop de violence et tout. Et je vois des braqueurs avec des armes pointées sur eux. Je cours pour sauver les enfants, bam, une patate à gauche, bam, patate à droite. J'essaie un petit peu de les défendre finalement face à ces agresseurs. Je me prends plusieurs coups, hein, ici, grosse grosse blessure, mesdames et messieurs. Finalement, les voleurs effrayés, comme ça là, je dégaine. À un moment, j'ai arraché mon t-shirt comme ça, donc un autre t-shirt, hein, quand j'ai complètement déchiré. J'arrache mon t-shirt comme ça, tel Superman. Et les braqueurs effrayés évidemment par mes abdominaux en acier là, incroyable. Les braqueurs ayant été effrayés se sont cassés. Donc voilà, j'ai dû rester dans la banque malheureusement jusqu'à attendre les forces de l'ordre. J'étais pas obligé de rester, mais je voulais rester pour, voilà, rassurer finalement les familles qui me disaient: ouais, mais Hello Hello, tu dois faire une vidéo par jour pendant 3 mois, c'était ton challenge, vas-y et tout, tu vas arriver en retard, tu vas pas avoir le temps, etc. Je leur disais: non les gars, les abonnés comprendront, vous inquiétez pas. Et j'étais là, j'essayais de les calmer un petit peu, ça pleurait un petit peu. Il y avait la vieille dame qui a quasiment fait une crise cardiaque, j'ai essayé, voilà, de faire du bouche à bouche, etc. Donc j'ai réussi finalement à sauver un petit peu les choses, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer une vidéo pour aujourd'hui, une vidéo en tout cas, une bonne vidéo. Donc je m'en excuse les gars, je suis vraiment désolé. Mais sachez que demain, parce que une mauvaise nouvelle cache une bonne nouvelle, évidemment demain la nouvelle extension sort, donc il va y avoir 2 vidéos par jour, donc on va pouvoir se rattraper. Et je m'excuse vraiment, je suis désolé. Aujourd'hui c'était très compliqué, hein. Aujourd'hui très très longue journée avec ce braquage finalement. Moi je revenais de mon footing, donc j'étais déjà crevé de base. Je vous avoue que malheureusement la garde à vue derrière avec les flics qui m'ont posé plein de questions. Ouais, vous avez eu recours à la violence, est-ce que vous avez eu recours à des armes blanches, comment vous avez fait, est-ce que vous aviez une matraque pour briser les os littéralement et la boîte crânienne du braqueur. Je leur ai dit: bah non les gars, c'est juste que j'ai collé 2-3 droites et je contrôle pas toujours ma force. Et là voilà, malheureusement ça s'est mal passé, ça s'est mal fini. Donc je m'excuse, j'espère que vous me pardonnerez mesdames et messieurs, 1 milliard d'excuses. Et puis bah, je vous retrouverai demain pour une prochaine vidéo. Sachez que mercredi il y a une soirée de 18h à minuit, une soirée de l'extension sur Origin HS. Et puis sinon, bah voilà, il va y avoir une, deux vidéos par jour tous les jours là, avec l'extension qui va sortir, ouverture de booster et des masses decklist qui vont popper dans les prochains jours. Je vous fais des bisous, je suis encore désolé qu'il n'y ait pas eu de vidéo aujourd'hui, vraiment à proprement parler, même si ça c'est une vidéo, hein, techniquement. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit commentaire ou un pouce bleu. Je vous fais des bisous. Encore une fois, pour le coaching, j'ai déjà commencé à coacher aujourd'hui. Les gens qui sont sur le Discord, je vous le mets dans la description si vous voulez du coaching gratuit, c'est dans la description, on fera du coaching. Je ne les publierai pas ce que j'ai fait aujourd'hui parce que tout simplement, demain, il y a une nouvelle extension, donc ça servira pas à grand chose. Je publierai ceux de la nouvelle extension. Voilà, si ça vous intéresse, vous mettez votre battle tag, etc., comme expliqué dans la vidéo précédente. Je vous mets ça dans la description. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, et une vraie vidéo cette fois-ci. Je vais essayer de rester à la maison demain, hein, comme ça, pas d'embrouille. Tout le monde.